レオ体操第一よーい全力疾走いきなり走るのかよおい待てよおいもっと早く私の勝ちだ1991年世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。Bonjour, bienvenue dans Super Play. Aujourd'hui, de nouveau un Super Play baston avec nos deux joueurs Asenka et Euro. Cette fois-ci, on va voir Hokuto no Ken sur PS2 et donc on va voir quelques-uns de vos personnages fétiches aussi à la façon Guilty Gear. Alors la particularité de Hokuto no Ken, sorti un peu avant l'Accent Core sur la PS2 Jap après une version Atomic Wave. Ce qui est intéressant à noter, donc c'est un jeu développé par Arc System, ceux qui ont développé Guilty Gear. Et on retrouve, retrouve beaucoup de choses dedans. Outre le fait qu'il est intéressant de noter quand même que le jeu est vachement respectueux avec les musiques, l'univers de Hokuto no Ken. De la licence. Voilà, c'est vraiment un jeu de fanboy qui a été joué pour ça au début au Japon. Après, ils ont trouvé le jeu un peu limité justement par rapport à Guilty Gear, donc ils ont un peu arrêté. Et puis quand ils ont compris qu'en fait le jeu était bourré de bugs, super craqué. Alors ce qu'on dit craqué, c'est que c'est totalement n'importe quoi au niveau des propriétés. Pas prévu par les concepteurs du tout. Voilà, ouais. Totalement imprévu. Et ben ils se sont dit, bon, ben, peut-être y jouer pour ça. Parce que justement, c'est n'importe quoi. Et essayons de trouver toujours plus de bugs, toujours plus de combos infinis. Et le jeu, grâce à ça, a eu un regain de popularité au Japon. Donc c'était amusant par rapport à la semaine dernière où on a vu Guilty Gear Accent Core. C'est de voir totalement l'inverse. On a vu le jeu le plus technique. Aujourd'hui, on va voir un jeu qui est pas non plus facile à jouer parce que les combos et les bugs sont pas plus faciles, mais où c'est quand même un grand n'importe quoi. C'est très folklorique. Ouais. Voilà. Et on y joue pour l'ambiance et pour se marrer. Ok, bah on va voir tout de suite la première série de combos. Avec Ray, en fait, Ray. Qui ouais. va nous permettre de comprendre un petit peu le système du jeu. Donc il y a des air dash, il y a des contres, ça ressemble un peu à Guilty Gear là-dessus. Au rang des nouveautés pour canceller, voilà, c'est un bouton qui s'appelle le boost qui permet de faire des dashs très rapides en avant ou de cancel des coups. D'accord. Et aussi très important, ce qui s'appelle le CD en fait. C'est-à-dire, c'est un coup qui envoie l'adversaire dans le mur, on peut le suivre et faire des combos dévastateurs. D'accord, des wall combos. Qu'il est envoyé dans le mur, il peut rien faire. Voilà, et c'est généralement dans ces phases-là qu'on trouve les plus de bugs dans le jeu. Ok, bon, on va voir tout de suite ça avec Ray. Alors, ce qui est assez amusant, voilà, par rapport à... c'est le combo, hein, des grands classiques de Ray, mais qui nous montre à quel point on peut faire des loops. On peut faire du grand n'importe quoi dans le jeu, et sur un simple coup, un simple CD qui envoie dans le mur, enlever 90% de la barre de vie. Donc voilà, si on va le voir ralenti, simple CD, voilà. On suit, boost gratuit, et là, on pourrait faire un simple combo. Mais non, on va l'envoyer en l'air, et on va faire un loop. Donc comme on avait vu dans Guilty Gear, c'est une phase qu'on répète. Alors il y a quand même un timing, hein. C'est pas simple. Là on fait kick, cancel par un coup spécial, cancel kick. Voilà, c'est pas évident, faut savoir combien on peut en faire, etc. Mais c'est à titre comparatif tellement plus facile que dans Guilty Gear par exemple, que c'est un grand plaisir, l'adversaire retombe, on a même une furie gratuite. Voilà, 90 barres de vie, vous avez mis un coup. Et important de préciser qu'avec Ray, vous pouvez enchaîner ce coup après un back kick par exemple. D'accord. Et puis là le damage reduce, on l'a oublié au passage, hein. Donc voilà, c'était le fameux CD de Ray, qui d'ailleurs, pourquoi le perso est si fort dans le jeu, on peut l'enchaîner sur tout et n'importe quoi. D'accord. Alors ça, c'est la base. Voilà, ça, c'est la base de ce qui vous attend dans cette émission, avec beaucoup de bugs, beaucoup de plaisir, beaucoup de grand n'importe quoi. Mais on va passer tout de suite, on va dire, un peu comme dans Guilty Gear, ça marche de la même manière, mind game, coup en bas, pressing, voilà, c'est le même principe, et on va voir comment ça marche avec Ray, justement. Ah, donc une petite phase de Ray avec, on va la voir en vitesse, on va comprendre après en détail ce qui s'est passé. Il y a eu un petit pressing, à un moment on lui a cassé sa garde, comment est-ce que ça s'est passé. Et on finit par un petit combo du plaisir, hein, voilà, petit combo double furus, complètement n'importe quoi. Combo qui est parti de pas grand chose, voilà, il se protège garde haute, bien joué, il se protège garde basse, instant air dash, casse garde. Ça c'est imbloquable. Non, il fallait qu'il se lève, mais c'est très très rapide dans le jeu, ça va très vite. Derrière, combo totalement gratuit, assez simple à réaliser avec un petit peu d'entraînement, qu'on peut
faire durer plus longtemps, mais que j'ai choisi d'arrêter à ce moment-là pour faire une double furie. C'est n'importe quoi. Comme l'adversaire rebondit sur certaines phases, on peut mettre une deuxième furie. 49 hits, 70% de barre. Voilà, donc celui-là, on va peut-être encore le voir un petit peu plus lentement pour comprendre ce qui s'est passé. Je commence, voilà. Placer la deuxième furie. Instant air dash kick, il protège. Deuxième kick, il se protège, faut le voir le deuxième. Hein. Ouais. Attention, je tape en bas, il connaît, il se protège. Pareil, là en fait il va vouloir réagir, parce que j'ai mis le dernier coup de mon pressing. Mais il n'a pas le temps, parce que Ray peut faire un instant air dash très rapide, et paf, il était resté en garde basse, et donc il mange le casse-garde haute. Alors là, c'est du beurre, hein. Là je veux dire, là on peut rentrer à peu près tout et n'importe quoi. J'aurais pas même pu essayer de placer le combo CD, hein, que je peux linker derrière un, que je peux linker derrière un batik, hein, si j'ai pas trop de recul. Et là le combo, voilà, le combo standard de Ray. Mais pas évident pourtant, parce que par exemple là, il faut le bon timing. Là en fait on l'envoie en l'air, donc jusque là c'est simple juggle qui permet d'envoyer l'adversaire en l'air. Et c'est comme dans Guilty Gear, les personnages ont des poids différents. Des sprites différents. La taille, en fait, donc il faut pas les taper au même moment. Voilà. D'accord. Là par exemple c'est assez particulier, c'est un coup spécial qui est lui-même cassé, comme on voit, par deux fois avant kick, par un coup normal. Et là je recasse le avant kick par un autre coup qui permet de le maintenir en l'air. Donc on le voit pas en fait dans l'exécution du combo, mais en fait il y a quand même pas mal de choses à connaître pour arriver à faire des combos consistants dans Kutanoken. Quand même, la seule différence, c'est qu'une fois qu'on les connaît, c'est automatique, c'est machinal, et ça fait plaisir. On pourrait résumer ça par le fait qu'on va dire qu'il y a deux combos à connaître par personnage, c'est-à-dire un combo CD et puis un combo assez simple pour enlever les étoiles. En fait, on va voir donc la variante de la même chose, un peu, qu'on voilà, on laisse passer. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le début était exactement le même, on va juste voir un petit peu la différence, avec un petit combo, encore une petite variante derrière, une petite variante qui fait plaisir. Pareil, j'attaque en l'air, en bas, pareil, en bas, instant air dash, donc il met sa garde haute cette fois-ci. Sauf que là, au lieu de retaper en bas après, chop direct. D'accord. Et chop normal, hein, même pas chop spécial, qui permet d'enchaîner un petit combo ultra simple à faire. Voilà, avec petite furie tranquille derrière, et tout ça c'est gratuit et c'est sur une simple shop. Donc sur une simple shop, là, il a perdu 30%. Voilà. Donc on va voir en fait la dernière variante basée sur le... Le mind game de... Sur le boost, voilà. C'est la dernière variante qu'on a vu pour casser la garde, qui utilise le boost, avec bon, encore une fois le combo... La fin, le combo classique, hein, c'est du... Allez, c'est gratuit, c'est pour se faire plaisir. On remarque qu'il n'y a pas de damage reduce quasiment comme dans Guilty. Hein. Donc voilà, je démarre en haut, je tape en bas, encore en bas. Là, il s'attend à l'instant air dash. Sauf qu'à la place, boost et qu'il retape en bas au lieu d'avoir retapé en haut. D'accord. Et donc, voilà, encore une variante qui permet d'en finir avec le perso. Voilà, on a vu vraiment les trois variantes de base. On peut taper en haut, on peut taper en bas, on fait un pressing, parfois on met un boost, parfois on met une chop. Généralement, toutes les phases de mind game dans Kotonoken vont être autour de ça. On verra ça tout à l'heure dans les matchs. Voilà, on essaye à un moment précis de casser la garde ou de choper. D'accord. Et puis derrière, donc, c'est parti pour un tour. La base du combat dans Ken, c'est de maîtriser ces trois phases-là pour les placer aléatoirement et surprendre l'adversaire. Bah comme dans Guilty ça marche, c'est-à-dire qu'on pressing et variante. Sauf que ça a l'air un peu plus limité. Ouais, mais en fait ce que je voulais rajouter c'est que par rapport à Guilty Gear, il y a une sorte de pression en jouant au Kutonoken parce que on sait que la moindre ouverture de garde peut faire perdre le round et surtout les étoiles, on reviendra sur ça un peu plus tard. Mais dans ce jeu-là, tout peut se jouer sur une ouverture de garde, c'est pour ça que certaines choses assez visibles peuvent passer facilement parce qu'il y a un stress qui accompagne tous les main games. D'accord. Un coup peut régler le sort d'un match. C'est assez particulier, c'est pas possible dans Guilty ça. En plus le coup ça peut être un low kick. Ça peut être un low kick, tout à fait, oui, c'est complètement n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est... Et en même temps c'est ça aussi qu'on voit les bons joueurs, c'est ils pardonnent pas la moindre erreur. Ouais. Alors là c'est Toki, donc c'est le personnage de Oro. Oui. Là c'est un combo classique, 3 étoiles avec Toki. Alors c'est quoi les 3 étoiles en fait ? Faut quand même expliquer que dans Kutonoken on commence toujours le match avec un capital de 7 étoiles, sachant que certains coups bien spécifiques à chaque personnage, comme un CD, enlèvent une étoile. Et une fois que l'adversaire n'a plus aucune étoile, donc il voit l'étoile de la mort, là par exemple on va voir pendant ce combo-là que ça commence par une chop. Faut préciser que la chop de Toki donne un effet CD, donc c'est comme s'il avait placé un CD. Donc là, c'est la seule étoile du jeu. Il a enlevé une étoile avec les 1000 points en l'air, puis 2 étoiles avec sa furie, ce qui lui permet d'accéder à son Fatal Key au full screen, qui nettoie tout l'écran, quoi qu'il arrive, et qui ramasse au sol. Donc, une fois que vous n'avez plus d'étoiles, par contre, contrairement à Guilty Gear, là, les Fatal Key sont complètement garantis en combo. En fait, parfois, donc, le but
plutôt que de faire un gros combo, c'est de faire un combo qui va être plus court, mais qui va enlever toutes les étoiles et permettre de placer le Fatal KO. Voilà, par exemple, comme dans cet exemple, il pouvait faire 100%, mais... il a choisi de placer le Fatal KO, fatal, qui est une autre façon de tuer. Par exemple. Alors, on a vu le combo de tout à l'heure de Toki qui commençait par une chop, et cette fois, ça commence par un contre. Et c'est à peu près le même résultat, de toute façon. C'est la cruauté totale. Hein. Vous vous protégez, il vous chope, vous avez perdu. Vous le frappez, il vous contre, vous avez perdu. Il n'y a plus d'étoiles non plus. C'est que le round d'après, il est foutu. En fait. Voilà, ouais. En fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, il en profitera pour vous prendre 3 étoiles. Hein. C'est cruel, il n'y a pas d'autre mot. En même temps, faut préciser que c'est le god tier du jeu, c'est même plus top tier. Parce que, autant, pour reprendre l'exemple de Guilty Gear, Eddie est le top tier du jeu. Mais il reste tuable par les persos du bas de la liste, si vous voulez, à part certains match-up. Mais Toki, il est vraiment sans égal dans ce jeu-là. D'accord. Il n'a pas de rival. Et plus d'étoiles. Voilà. En fait, voilà, il y a la petite tête qui apparaît comme ça, c'est-à-dire qu'il voit l'étoile de la mort. D'accord. Et que la moindre possibilité, Fatal KO. Fatal KO, ça passe derrière n'importe quoi, un CD, surtout une avec shop. Toki. Voilà, c'est complètement n'importe quoi. Bon, bah là, on voit un petit pressing de base de Toki qui utilise ses téléportes. Donc c'est téléportation et hop, chop. De toute façon l'adversaire n'a pas d'autre choix que de se protéger puisque sinon il va se prendre un bas et un combo. Et de toute façon bon, les chops dans Okutonoken ne sont pas aussi absorbantes que dans Guilty Gear parce que dans Guilty Gear elles sortent en une frame. Là elles sont un peu plus longues mais bon comme je disais de toute façon... Il peut rien faire le mec. Là il est complètement en blockstun. Ouais. S'il avait essayé de taper, bon c'est Ken, il aurait pu faire un dragon au hasard. Donc ouais. Un dragon au pif, mais si j'avais gardé la sanction, ça aurait été la mort, alors que lui avec un dragon au pif, et qu'est-ce qu'il avait gagné? Un quart de barre. Au grand maximum avec un dragon buggé, et encore, il faut avoir les ressources nécessaires. Et voilà, par exemple, Toki, par rapport aux autres persos qui utilisent du boost, lui, il a ses téléportations, il peut casser n'importe lequel de ses coups par téléportation. Ah, il donc en a c'est, dans, c'est il en a, infini, il en a vers l'avant. En haut, en arrière, dans les deux diagonales, et en version courte et longue. Sachant qu'il peut casser tous ses coups par, ses télé- par téléporte, donc chop ou contre, mais même téléporte par téléporte. Alors même... Après, il peut faire des coudes. Voilà. Et il a des contres. Et il a des furies sans temps mort. Voilà, il a son célèbre Sekaku, comme on l'appelle le Sekrako. Et c'est une furie zéro frame qui vous enlève 3 étoiles en counter. Avec un blockstun assez long en garde, c'est-à-dire que vous restez en animation de garde pendant que lui est libre de vous mixer à la suite. Et si vous bougez, c'est sanction assurée. Voilà, c'est tout. Oui. Il est devenu assez légendaire. Même au Japon, à un moment, ils appelaient le jeu Okuto no Toki parce que... Et il y avait le magazine japonais Arcadia qui avait consacré un article sur comment tuer Toki. C'est assez rare. Et ça se concluait sur quoi, en gros? On pouvait ou... J'ai pas eu accès à la traduction, mais en gros, ils donnaient les armes pour essayer de pas mourir trop vite avec chaque personnage du jeu. Ouais, d'accord, c'est plutôt comment survivre voilà. Contre Toki. Donc c'est une autre variante là du combo, pressing. Quoi. Alors un petit pressing, avec un cassage de garde basse, avec un Tiger Knee, comme on disait la dernière fois. Alors, c'est quoi le Tiger Knee? En fait, le Tiger Knee, pour bien expliquer, c'est le fait de faire un coup qui est un coup spécial généralement, et qui est faisable qu'en l'air, mais au ras du sol. D'accord. Et donc, ça consiste juste à rentrer la manipulation du coup en étant encore au sol et de prolonger la direction jusqu'à la diagonale et de valider au moment où le perso est au ras du sol. Et c'est pas valable dans tous les jeux, mais on va dire que dans tous les Guilty Gear like entre parenthèses. C'est valable. C'est jouable. Par exemple, vous voulez faire un coup, c'est un quart de cercle avant pour faire une boule quand vous êtes dans les airs. Ok. Bon, avec Anji, c'était le quart de cercle arrière-point pour faire sa boule casse-garde. C'est fait pour faire dans les airs. Vous êtes au sol, vous faites quart de cercle arrière en remontant pas à l'arrière, mais à la diagonale à l'arrière. Ouais. Il va faire ce coup-là au ras du sol, sans quasiment sauter, en décollant juste un petit peu. Mais ça vous donne pour effet de faire en fait un coup casse-garde au ras du sol. D'accord. On accède à un nouveau coup, mais il ne faut pas rater sa manip. Sachant que dans les jeux 2D, en général, de toute façon, un coup normal effectué en l'air est obligatoirement à garder en haut. Ouais. Mais ce n'est pas valable pour tous les coups spéciaux. C'est pour ça que c'est intéressant pour les coups spéciaux qui ont cette propriété-là, comme les 1000 points de Toki ou le coup spécial d'Anji en l'air. Alors encore un petit pressing, un exemple de pressing, voilà, avec l'arcane fantôme, comme je l'appelle. Bon, c'est un truc que je ne sais pas du tout si c'est connu ou pas, mais je l'ai trouvé personnellement. Et on a surnommé ça l'arcane fantôme. C'est une feinte de 1000 points en fait. Il
faut vraiment l'exécuter. Contre un joueur qui connaît, en fait. Qui s'attend, voilà, qui s'attend aux 1000 points et qui va pas et vouloir ça taper. Tout ça. Mais là, ça fait très très mal avec les deux furies à la suite, 3 étoiles. De toute façon, dans ce jeu, faut s'attendre. En fait, là, il y a fin de shop, c'est ça ? Voilà, là, je montre que de toute façon, s'il essaye de bouger, d'essayer de sauter, il va se prendre bas petit point et combo qui va le refaire tomber au sol. Donc, fin de 1000 points, shop, le combo qui s'ensuit. Qui va prendre 3 étoiles, hein. De toute façon, à haut niveau, dans Ken, la moindre ouverture de garde, généralement, si le joueur connaît son perso, il sait rebondir sur un combo 3 étoiles. Et même souvent, selon les personnages, un combo 100%. Ouais, ça, on va le voir un peu plus tard. Oui. C'est assez rigolo aussi. Et oui, par exemple, là, la furie passe en damage reset, on a oublié de l'expliquer. Donc, elle fait... Les dégâts reviennent à zéro. Elle fait... Parce que normalement, dans les jeux de dés, à force de frapper, quand le compteur de hit monte, les dégâts diminuent en conséquence. Et dans Ken, une fois que le personnage a touché le sol... Et dans son rebond, si vous le frappez ou vous lui mettez une furie, bah, les dégâts viendront comme si c'était jamais rien pris. Ouais. C'est pour ça qu'avec Ray, je mets une double furie. C'est-à-dire qu'il tombe par terre, première furie, il rebondit, et donc deuxième furie, mais qui passe pas en damage réduit, comme la fin d'un combo, mais qui fait comme si c'était une furie qu'il prenait normalement, même pas en combo. Donc la deuxième fait beaucoup plus mal. Voilà, c'est n'importe quoi. Okay. Les mêmes dégâts que si se la prenait de face. Hokuto no Ken. En fait, là, on va parler un peu de la section bug. Voilà, qui sont légion dans ce jeu. On a le choix, hein. C'est pas... D'accord. On a le choix. Chaque personnage du jeu a son lot de bugs, de toute façon. Donc en fait, dans le jeu, il y a des bugs qui permettent de faire des choses normalement pas prévues. Voilà, complètement impossible. C'est la nouvelle stratégie, c'est ça que les japonais aiment. Là, par exemple, vous pouvez voir le Dragon Bugget Ken. Là, en l'occurrence, il enlève 3 étoiles. Et il le break par fatal, qui est impossible, non, parce que c'est pas un coup réalisable en l'air. Mais bon, son dragon est... Il est complètement bugué dans cette version, il peut... Et donc il le fait à la relevée, c'est-à-dire que... Le dragon à la relevée, c'est assez mythique, quoi. Tous les personnages qui possèdent un vrai dragon, en résumé, s'il est lancé en reversal à la relevée, donc en profitant de l'invulnérabilité de la relevée alliée à l'invulnérabilité d'un dragon, généralement, il y a très peu de choses qui peuvent passer au travers. Et là, de toute façon, Ray, il pouvait rien faire du moment qu'il ait lancé n'importe quelle attaque, C'était la sanction du Dragon Bug qu'il attendait, sachant que Ken avait déjà chargé une de ses techniques qui lui permet d'enlever une étoile de plus au prochain coup. D'accord. Et que le Dragon en counter enlève une étoile de plus, ça nous donne 3 étoiles. Voilà, sur cette phase très simple, il y a quand même 3 techniques, 3 bugs cumulés dans la même phase. Voilà, mais c'est efficace, ça enlève toute une barre. Bah oui, ça tue l'adversaire, voilà, il faut pas s'en priver. Tu places ça en match ? Moi j'ai déjà placé, mais c'est pour le fun, pas en vrai match. C'est une autre variante du Dragon Buggy, c'est ça ? Ouais, voilà. Vraiment Dragon Buggy ou des Fury Buggy ? Non, là, on va voir voilà, d'autres variantes du Dragon Buggy, mais cette fois avec des Fury. Ah oui. La Fury 1, donc le Musso Tensei. Fury 2, sa boule de feu. Ça s'enchaîne. Et celle qu'on a vue tout à l'heure, la Fatale. Parce qu'en fait, son dragon est intécable de toute façon. Et... Ou le breaker par tout ce qui vous chante, hein. C'est le jeu de la fantasy totale. C'est complètement cruel. Donc un dragon, il break par une première, par une première furie. Voilà, bon, il y a quand même un timing assez rigoureux. On voit ça, on rigole, mais il le repêche avec un dragon et la deuxième furie. À chaque fois, ça demande juste un boost, hein, de toute façon. Mais... La troisième, et puis c'est résolu. Donc là, ça aurait pu être placé en début de match. De toute façon, c'est plaçable quand vous avez 3 boosts. Il suffit de rentrer le premier dragon. Il y a des variantes au milieu du terrain, mais celle-là, là, c'est sympa parce qu'il y a les deux furies et la fatale à la fin. Oh, c'est joli. De toute façon, c'est assez classique dans ce jeu de faire défiler toute la commande liste sur l'adversaire avant de le tuer. Alors, ça... Encore un petit bug là qu'on va voir, c'est un bug donc avec Souther qui est quand même un des personnages les plus faibles du jeu, mais sur son CD, il a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'il peut faire un combo bizarre dans le coin qui va maintenir l'adversaire en fait dans le coin. Voilà. Et là il peut rien faire le mec. Et ça c'est con. Et alors faut être précis parce qu'au 20ème hit on va l'envoyer de l'autre côté et on le tue et on le finit avec une petite furie tranquillement. Alors voilà, on l'envoie dans le coin. Une petite phase particulière quand même à bien faire. Qu'on va cancel avec un petit boost
gratuit en plus. On n'a même pas besoin d'avoir de boost dans cette phase, c'est un boost gratuit. D'accord. C'est un bug en fait, c'est-à-dire que même si on l'a pas, on l'a. Okay. Et puis on le bloque dans le coin et il peut strictement rien faire. Il y a quand même un timing pour bien se placer, mais alors là par contre c'est bassé, bassé, bassé sans aucun timing. Hein. Une fois qu'on l'a commencé, on peut pas le rater, il faut juste bien partir au 20ème. Alors Rao, c'est quoi la particularité du perso? Une particularité totalement cruelle, mais enfin, faut savoir que le perso, quand le jeu est sorti, il était considéré comme lotière avant qu'il trouve la fourberie de la dague, donc ce coup spécial là. Cette dague donc lui donne la propriété de ramener l'adversaire au sol, et en fait ils ont trouvé qu'il avait un petit point garanti une fois que l'adversaire retombait au sol. Et une fois qu'on connaît bien le perso, on peut s'amuser à trouver des variantes de dagues. Comme celle-ci. Mais c'est quoi ça? C'est un combo qui finit pas? C'est gratuit? C'est quoi? Bon, en fait, il y a des variantes gratuites, sachant que de toute façon, quand on met un CD dans ce jeu, alors qu'on n'a pas de barre de boost, on en gagne une temporaire. Il y a la variante en passant dans le coin qui est appelée la variante Wall Street, on la verra pas là. Mais là, une variante assez simple en 3 boosts. Alors, ça, c'est le combo simple qui fait 100%. Voilà, et qui rentre après un Ballet Kick, après un Cast Guard, après une Chop, après un CD, après tout ce que vous voulez de toute façon, c'est. Et c'est le genre de truc dur à faire pour un débutant? Bah c'est dur à faire parce qu'en fait, je dirais dans tous les combos de Ken, la principale difficulté c'est qu'ils durent longtemps les combos, donc faut être assez rigoureux pendant une minute. Ouais. Mais en soi c'est du bas petit point à répétition, faut juste connaître le nombre qu'on a le droit d'en mettre avant que la DAC se désactive. Puisqu'une fois que la DAC se désactive, le perso est complètement, il prend tout le recul, donc il faut savoir quand il disparaît pour le frapper à ce moment-là précisément. Là on a le droit à un combo en l'air parce que en fait tous les reculs, que ce soit horizontal ou vertical, s'accumulent. Ouais. Voilà, et. Donc au moment où il est relâché. Voilà, après une fois qu'on a utilisé tout le bonus vertical, on passe en mode horizontal et on se fait plaisir avec des dagues. Sachant que bon bah, le CD enlève une étoile, la dague en l'air enlève une étoile après le AC, donc on n'est pas loin du 3 étoiles hein, selon le starter qu'on a mis. Donc forcément avec 3 étoiles ça finit en 3 étoiles fatales ou bien tu récap pour continuer le prochain round avec une étoile. Que l'adversaire n'ait plus qu'une étoile, ça ouais. Pardonne pas dans Ken. C'est quoi les bugs des 30 hits ou des choses comme ça? Alors ça c'est assez inexplicable, mais bon dans ce jeu là faut savoir qu'une fois qu'on s'est pris 30 hits en l'air, on passe en mode rebond bugué. Et là, en fait, on est considéré ni en l'air ni au sol. C'est la warp zone totale. Il y a pas mal de persos qui ont ça dans le jeu. Après, reste à savoir la facilité à lancer le starter. Donc là, ça reste quand même Toki et Rao qui ont les facilités pour lancer ces combos-là. Voire Ray avec sa double furie, par exemple. Mais après, ça devient n'importe quoi à partir de 80 hits. C'est le mode méga rebond. Un exemple parmi d'autres dans ce jeu qui recèle encore de bugs. Pendant le jeu, on va voir un des innombrables bugs du jeu encore. Ça devient une habitude avec Shin, celui qu'on appelle le bug de Scorpion en dédicace à un des plus spéciaux de Scorpion de Mortal Kombat qui permet de traverser le mur de gauche et de se retrouver directement au mur de droite avec l'effet boost. Ce qui peut surprendre l'adversaire qui s'attend à un cross-up et qui va peut-être pas tout de suite comprendre ce qui lui arrive. Et on finit par un fatal kill. Voilà, comme d'habitude, de toute façon, dans ce jeu-là, la moindre ouverture de garde se traduit la plupart du temps par la fatale qui suit. On va aborder un personnage assez sympathique, c'est ce bon vieux Earth-sama. Un personnage, qui a été pas mal sous-estimé, je dirais, et qui, en fait, recèle lui aussi de pas mal de cruauté, comme là, le combo IT avec sa furie. Quand vous enclenchez la furie IT, il passe en mode folie. C'est encore un 100% qui est parti sur un back kick. Voilà, alors ça part souvent sur un back kick, sur un cast guard ou bien sur un break CD, sachant que. 100%. Que voilà, c'est 100% s'il a au moins une barre de furie. Et... De toute façon, break CD lui coûte quand même 30% de barre, mais il donne directement l'effet CD. Alors là, ça consiste à donner bon, ce que j'appelle l'effet CD, c'est cette force horizontale. C'est-à-dire que si vous le tapez, il ne montera plus l'adversaire. Il est dans une espèce de force horizontale. Il n'y a qu'un CD ou certains coups qui peuvent le sortir de cet état-là. Donc là, il enclenche sa furie IT. Et donc il continue. Avec le bon setup, il fait son cancel sur la tornade jusqu'à ce que le recul ne lui permette plus. Parce qu'au bout d'un moment, il va le rejoindre dans le coin et il ne pourra plus reculer assez. Ouais.
Par contre, cette Fury est vraiment à double tranchant, parce que si vous ratez votre combo, vous vous retrouvez en mode, donc en mode folie, sans garde. Bon, avec une nouvelle commande liste, mais dans ce jeu, être sans garde, ça pardonne vraiment pas. Uh-huh. Surtout contre un Rao qui va faire que des grosses boules et vous allez perdre une étoile à chaque fois. Il faut vraiment être sûr de son coup. Donc on va voir maintenant un combo assez spécifique avec Earth et intéressant parce qu'il défie un peu les lois d'Okutonoken, sachant que dans ce jeu-là, tous les combos sont limités à enlever que 3 étoiles. Et là vous voyez qu'il enlève pratiquement 7 étoiles, là, il meurt. Mais... Combo bugué, qui défie les lois. 100% qui enlève toutes les étoiles. D'accord. C'est foutu pour le round. Voilà, donc on va voir l'application en match et surtout je pense le fait que le moindre coup peut tuer. Ouais, je pense que c'est le mot hein, qu'il faut dire. Donc là, voilà, je jouerai au roux qui joue Art, donc ça va être un petit peu compliqué, surtout pour moi. Donc l'idée c'est voilà, essayer de rester en l'air pour pas être trop au shop, voilà, essayer de placer un combo dès que possible, enchaîner. Voilà, continuer, là, une petite erreur sur la fin du combo, ça pardonne pas. Donc voilà, pareil, petit pressing pour essayer de l'attaquer, il tente son combo pour mettre dans le coin, ça passe pas, voilà. La chop, la Fury chopée, c'est hyper absorbant, donc presque instantané, donc assez un petit peu n'importe quoi quand même. Le combo, ah, il mange les manches de CD, mais je rate le combo. En fait, j'avais pas pensé qu'il le prendrait. Donc voilà, encore une fois, le combo qui relève avec la petite Fury à la fin. Et c'est parti, encore un petit peu de ratage, ça arrive souvent en match. Et le combo classique de Ray qui se rate sur la fin, encore une fois. Voilà, ça, la preuve qu'il faut pas rater ses timings dans ce jeu. Hein. D'accord. Surtout contre les choppers à la relevée. Une chop de Hurt, surtout dans le coin, on aurait pu enchaîner sur une chop spéciale infinie. Un combo CD de Ray qui utilise le cancel de Shiné en Tiger Knee. Un pressing. Break CD de Hurt, justement, qui donne l'effet CD. J'essaie d'anticiper le fait qu'il saute, il est resté au sol. Il va profiter de mon ouverture de garde. Pressing, garde inversée. En haut, en bas. Boost pour continuer le pressing. Et... on voudrait. Casse garde basse. Un combo complètement raté. Assez raté, mais l'idée y est. Choc en l'air, après le coup en l'air qui a frappé. De façon inversée, pressing de base de Ray. Hop, mix-up d'absorption, il a mis sa garde. Absorption. De toute façon, le problème dans ce match-up, c'est que le jeu de Ray est vraiment aérien, c'est un perso vraiment aérien, et Earth c'est complètement l'opposé. Donc à partir du moment où il est en l'air, c'est un peu de l'anticipation. Essayer de placer la Fury Shop. Voilà, très compliqué parce qu'il peut faire des anti-sauts en shop sur les pressings aériens. Voilà, encore anticipé parce que c'est voilà. Instantané. Voilà, là, encore une fois, l'absorption qui lui permet d'encaisser le coup. Le dragon au pif, le boost pour s'en sortir, mais ça suffit pas. Voilà, une Fury Pressing avec les bâtons là qui vont d'ailleurs, qui m'ont touché, ça touche en counter et il enchaîne le combo derrière. Voilà, donc le fameux combo qui rattrape, il rate la fin, ça peut arriver, il rate la fin, le CD mis dans la garde, casse-garde, encore une fois, là il l'a vu, voilà le combo, et c'est parti, hein. Le combo de Ray qu'il faut surtout pas rater dans ces cas-là, qui est pas raté pour une fois, la deuxième Fury mais qui passe mal, le deuxième rebond est mal vu, et c'est pourtant c'est reparti derrière, voilà le combo de Ray, normalement là il est mort, mais pas de barre de Fury. D'arche arrière invincible qui lui permet d'éviter mon attaque et d'enchaîner directement par sa Fury. Voilà, ça va être Ray Toki, donc le Toki qui a permis de Toro d'être un des meilleurs joueurs de France d'Okutonoken. Donc l'idée quand on joue contre Toki à ce moment-là, c'est d'agresser en fait, d'agresser tout de suite pour lui laisser aucune possibilité de commencer un pressing, sinon de toute façon c'est foutu. Donc là il mange un premier coup, donc combo de Ray, pas le droit de le rater. Là ça va être le combo complet, voilà, avec le dragon, break chiné, avec petit pressing derrière encore, là il s'attendait à un lot et il remange le même, il n'y a pas le droit de rater. Là en plus la barre de Fury est montée, donc
pas d'hésitation, on la met, pareil. Encore une fois, petit mind game avec le boost et on la remet et c'est reparti pour un tour. Pas le droit à l'erreur. Et bah, il a pas eu le temps de respirer, donc il a pas pu faire grand chose. Surtout que j'avais pas encore eu le temps de remplir ma barre de furie pour utiliser une des furies à la relever, mais là c'est moi qui prends l'avantage dès le début du combat, avec les inversions à base de téléportation, qui font surtout la force de Toki dans cette version. Là, je profite d'un temps mort pour utiliser un combo de base de Toki 3 étoiles, hein, de toute façon avec lui ça surprend plus. Et là, un main game à la relever, j'ai lancé ma shop un peu trop tôt, du coup il reprend l'avantage, il va me ramener dans le trou. On arrive dans les coins dans ce jeu. La furie en damage reset. Le Sekako, bah ça c'est la furie magique. Voilà, Sekako counter qui m'enlève 3 étoiles. Donc là il revient, il est bien revenu, il a beaucoup plus de vie, mais dans quel tout peut toujours arriver. J'ai plus d'étoiles, il peut faire son fatal cœur à chaque moment. Voilà. Dragon au pif, cancel, qui permet de faire un combo derrière. Voilà, et je mange un contre de trop. C'est dommage, j'aurais pu revenir avec une barre de furie. Round très passionnant. Voilà, on laisse parler le jeu. Et voilà, c'est fini. Voilà ce que ça peut donner depuis avoir des toiles contre Toki. On mange un coup et le round est terminé. On voit à quoi s'attendre. Savoir aussi que dans ce jeu, ça change beaucoup de jouer en 2 étoiles ou en 3 étoiles. Certains persos, ouais, dans 3 rounds, c'est ce que je voulais dire. Et ça change la force de certains personnages. Alors là, il utilise son bouclier, le bouclier de Ray qui lui permet d'éviter les projectiles et fait un hit à la retombée. C'est un combo en l'air assez basique de Toki, qui prend 3 étoiles avec la furie en damage reset. Là c'était donc un option select puisque j'ai utilisé l'instantaire dash et contre en l'air. Donc s'il essaie de se relever avec un coup ou un dragon, ce qui arrive souvent, et ben c'était contre plus combo. Et étant donné qu'il a rien fait, ben c'était chop à l'atterrissage, donc il n'y a pas grand chose à faire à part par essayer de s'enfuir. Ouais, c'était la violence d'Okutonoken. Un jeu qu'on conseille fortement si vous aimez évidemment la série, et puis qu'on vous conseille tout simplement si vous aimez les jeux de baston très rythmés avec une bonne ambiance, et surtout si vous aimez chercher les combos les plus fous et les bugs les plus tortueux. よし。北斗神拳の前には死あるのみ。北斗、百裂拳。ステイカー KO。お前はどうか。